la terre ni sous la mer troublée. N'a tout dans la fissure. Papa, parole de vérité. Non, mais ça va, station Isia. Pour toute information, visitez Radio A sur www.radioparolevérité.com ou mettrez-les 774-994-5513. À Radio A, ou en cas branché, quel que soit côté ou lié sur planète Terre, Radio Parole de Vérité avec un pilote radio en Haïti. Numéro ça, prendre, bon famille, bons amis, 774-994-5513. 774-994-5513. Radio Parole de Vérité, la radio de l'Évangile. Radio Parole de Vérité, depuis l'état de Massachusetts, Radio Parole de Vérité est à votre portée. Pour nourrir nos mots spirituellement, Radio Parole de Vérité, c'est la référence. Évangélisation, éducation, une radio. Parole de Vérité, c'est la radio. Pour nourrir nos mots spirituellement, Radio Parole de Vérité, c'est la référence. L'avancement était la parole, et la parole était avec Dieu. Radio Parole de Vérité, la radio de l'Évangile. Radio Parole de Vérité, depuis l'état de Massachusetts, Radio Parole de Vérité est à votre portée.
Bienvenue, chers amis, auditeurs, auditrices, fidèles à Radio Parole de Vérité. Nous saluons toutes bien-aimées, nous, dans nos sauveurs, nous, Jésus-Christ, depuis Studio 3, dans la Koumetouen, c'est Servantus Kaina, Germain Médouin, qui est ensemble avec vous pour émission pour la BIBLE, instruction de base, avant que nous quittions Tessa, de BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth, on Radio Parole de Vérité. Nous saluons PDGA, Evan Samboise, Madame Ni, avec toute famille, nous saluons la sœur Jésula Amboise, nous saluons le pasteur Anson Deli et pasteuresse Véronique Lapet, nous saluons ingénieur Sonou, le frère Harold Mendron, nous saluons toute auditeur, toute auditrice, toute animateur, toute animatrice fidèle à Radio Parole de Vérité. Nous entrer la caillou, c'est un privilège et un honneur. Nous disons bon Dieu merci pour grâce que lui fait nous. Nous pas supposé là, mais bon Dieu lui-même lui fait grâce. Donc si vous attendez nous quel que soit côtoyé à travers le monde entier, nous saluons si c'est matin, lié bonjour, si c'est après-midi, si à souhait, bonsoir dans nom sauveur nous Jésus-Christ. Pas oublier que pendant période ça nous te dit comme ça que nous pral font étude dans livre ça nous relé Apocalypse ou bien Révélation et n'a continuer étude là nous pral aller verset par verset par contre combien t'as prend nous parce que nous déjà commencé déjà nous t'es allé verset par verset dans chapitre premier et sous t'es là dernièrement nous t'es gênant aller nous dans chapitre 2 côté nous et n'a étudié les 7 lettres que Jésus-Christ a écrit avec 7 églises. Donc nous t'étant fait plusieurs lettres. Nous fait lettre que l'il était écrit avec l'église Éphèse et nous t'ai déjà passé sous lettre que l'était écrit avec l'église Essem et n'a continué jodi an pour aller dans l'église Pergame. Donc et nous praler dans avant que nous rentrions et l'église Pergame, si ou gen bibou pas oublier que ou pral prendre et pour ou joindre nous dans chapitre 2 verset 12, OK? Ça veut dire que pour moun ki déjà pral prendre biblion konnen nous pral ba on ti pause pour moun al chercher biblio al chercher cahier prendre note et pas oublier relé on zanmi relé on famille di yo branché sur Radio Parole de Vérité nous sur YouTube nous sur Alexa ou ka di Alexa play radio PD PV moi connais que grand pile moun la kayo parce que à cause de virus ça k'ap ravager le monde kounye majorité moun yo la kayo donc sou la kayo ou ap tande émission ça relé on l'autre moun pour vinn brancher ensemble avec ou di yo brancher sur Radio Parole de Vérité allez sur YouTube tapez Radio Parole de Vérité sur Facebook Radio Parole de Vérité et ou ka tande radio à plusieurs façons allez dans internet site radio an, www.radioparoledeverite.com www.radioparoledeverite.com qu'on sera qu'à cliquer pour qu'attendez nous et pas oublier que non pam c'est Skaina Germain Médron c'est servant tout que nous y et nous là t'a remé comme si moun k'ap tande yo sou t'a remé participer ensemble avec nous ou bien soit sur nous sur YouTube ba nou ti commentaire fè nous konnen que ou là ki ou ap tande sou gen question ou ka rele nous dans 617 903 71 40 617 903 71 40 ça c'est numéro pour studio 3 ou bien sur WhatsApp 857 313 99 44 857 313 99 44 sous ta remet entre en contact avec nous numéro email nous dans SG Ministry dans studio 3 c'est SG Ministry MINNISTRY 30@gmail.com SG Ministry SG MINISTRY 30@gmail.com. You can always send us an email. Voyons email ba nou sou besoin prière et na prier ensemble avec vous. Donc, dans moment ça avant que nous entrions dans la prière, pendant qu'on pral prend bibou, nous gen deux références pour la donne. Pour nous entrer dans la prière, nous pral lire le psaume premier et puis mettez place sous dans Révélation qui c'est dernier livre dans Bible, chapitre 2. Et puis descendre pour rejoindre nous dans verset 12 côté que nous pral
entrer avec étude nous. Nous pourrons attendre des musiques de orchestre révélation côté Bibou. Là, nous retourner, nous pourrons entrer dans la prière avant que nous retournions dans étude nous. Gardez l'écoute, que mon Dieu bénisse. Au Bibla sorti nos motets qui se libia, qui voulait dire bon libio. Il fait qu'on côté de sorti côté nous et à côté nous parler. Je divise l'un des portions anciens à nouveau contrat. C'est livre ça qui fait conséquent pour tout chrétien qui a besoin de mon l'esprit mon Dieu le sorti, l'a servi pour montrer nous qui j'en fous ma chaîne pour voir mon Dieu. On s'allait l'ennemi en campé, nous pas campé avec parole là. Parole ça qui va nous victoire sous toute bataille qui a campé devant nous. Les Bibles, là, c'est la dague, et la joie, c'est la dague, et victoire, et puis cette révélation. Yeah, yeah. L'éternel sous fait brancher ou attendre émission pour là la BIBLE instruction de base avant que nous quittions ça the BIBLE basic instruction before leaving earth sur les ondes de radio parole de vérité c'est servante Oscarina Germain Médron qui ensemble avec vous depuis studio 3 dans la commune espérer que ou t'es prend petit temps ça pour t'es prend bibou. Et pour rejoindre nous dans le somme premier, nous pourrons lire le somme premier avant que nous entrions dans la prière pour nous entrer dans le son nous. Somme premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et donc le feuillage ne se flétrit point,
tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Blessed is the one who does not walk in the step of the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the companies of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, who whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Let us pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you. We give you praise. We honor you right now. El Shaddai, the Almighty. We thank you, Lord God, for life. In a world that people are dying, about 30,000 die within a month in this country. Dans un monde côté moun ap mouri à droite à gauche, que un fléau ap ravagé. Seigneur, si nous gen souffle, c'est pour nous bon gloire. Si nous camper, c'est pour nous bon gloire parce que ou méritez toute gloire. C'est pas bon nous bon ni c'est pas juste nous juste passer l'autre yo, Seigneur. Mais c'est à cause de grâce ou à cause de miséricorde. Seigneur, ou c'est grand monde ou fait ça ou vle, nous pas ka poser question pour qui ça. Mais on seul bagage connaît Père très saint ou gen contrôle situation ou gen contrôle fléau ou gen contrôle problème yo dans la vie nous Seigneur dans minute ça Seigneur nous voulons camper Seigneur pour nous méditer en parole ou jour et nuit Seigneur tant que somnis en dit nous tant pour nous tant que pied bois qui planté dans courant de l'eau Seigneur qui baille que fait nous pas chambre fainé Seigneur et n'a produit fruit Seigneur en nous utiliser moment ça fais nous grâce pour ne pas seulement Seigneur passer dans période de tribulation ça dans période que de l'eau dans yeux ça mais Seigneur permettre que l'eau nous sorti la donne pour nous gon témoignage vivante et pas témoigner de ce que corona pas frappé porte nous non c'est pas genre de témoignage ça qu'on besoin dans moment nous Seigneur mais au besoin témoignage vivante que la vie nous change que nous vienne plus près au Seigneur que nous commencer produire fruit que nous gain amour que nous gain patience tempérance sagesse la joie la paix bonté qu'est posé Seigneur, pour nous témoigner que nous pas gen pérez encore. Que nous camper ferme parce que c'est roc séculaire, nous, Seigneur. À travers minute ça, nous lever tout le monde qui attaqué directement ou indirectement à cause de plague ça, Seigneur, maladie ça. Nous gen zanmi qui perdu maman, nous connaît chaque monde gon façon que qui yo frappé gen moun se travail que yo perdu gen moun à cause de maladie ça yo pa ka sorti yo gen inquiétude Seigneur nous lever tout infirmière yo tout moun kap travaille dans market yo tout docteur yo moun kap nettoyer yo Seigneur moun kap ramasser fatra yo Seigneur moun ki obligé lever chaque jour pour al travail pour res population karité la caillou Seigneur, nous demandons pour faire nous grâce, Seigneur. Mais l'Église universelle, dans mon minute ça, côté que nous pas qu'à rencontrer physiquement. Mais Seigneur, puisque vous dites, c'est temps
pour nous commencer culte d'adoration depuis notre famille, nous, Seigneur. Pour nous rester connectés en esprit, Seigneur, pour nous armer nous avec toutes les armes. Oh, alléluia. Toutes les armes, Seigneur, qu'on bat nous dans Ephésiens 6. Pour nous armer nous, pour nous camper ferme. Seigneur, pour nous dire, dans moment ça, quel que soit sacrifié, c'est bon Dieu et au régné. Toute gloire pour vous-même, Seigneur. Toute gloire pour vous, Seigneur. Toute gloire pour vous, Seigneur. Parce que vous méritez le Seigneur. Vous méritez toute louange, Seigneur. Même dans la maladie, même dans la difficulté, même dans l'eau dans les yeux, Seigneur. Toute gloire pour vous. Seigneur, nous demandons pour toucher. Tout le monde qui attendait nous dans minute ça. Pour toucher cœur, toucher oreilles, Seigneur. Pour nous apprendre. Parole. Oui, ça n'a pas étudié en Seigneur. Ou dit que bénédiction pour le monde qui étudie le livre ça, Seigneur. Et plus nous connaissons parole, plus nous avons été ferme, plus nous avons résisté avec tactique, diable. Seigneur, nous prions ainsi. Non pas parce que nous disons nous bon, mais nous prions au nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. 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 Ni sous la terre, ni sous la mer troublée, na tout gagné. Confiance dans bon Dieu, baka sorti monde. Dans tout draca. Dans tout draca. Dans la vie ça. Merci Seigneur, gloire. Alléluia. Papa dans le ciel là. Papa dans le ciel là. La bébé. Soumets confiance dans bon Dieu, commencez à balancer mes mains. Priez, confiez, confiez. Sous ta nan désert ou que nan valé a. Alléluia. Et puis avec mes chambres et ton su, mon Dieu qui m'aime. Hey, 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 hey. C'est lui même seul qui a qui m'aime. C'est lui qui a pouvoir pour qui m'aime. Alléluia. Hey, hey. Confie mon Dieu, mon est la grâce, dans des airs. Oh yeah 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 yeah. Radio parole de Dieu, radio parole de Dieu. Mon Dieu qui m'aime. Papa, l'icade flair, l'icade flair. Yo n'a chantou pas tout. Li prend soin soiseau yo. Li prend soin soiseau. Soka chante. Jusqu'à la fin, c'est lui qui a veillé au matin. La fin, parce que le règne est déjà dans le ciel là. Papa, il campait dans le trône. Alléluia pour la paix.
Bienvenue encore sur les ondes de Radio Parole de Vérité. Depuis Studio 3, c'est Servante Oscarina. Mais donc, ensemble avec vous pour la BIBLE, The BIBLE Basic Instruction Before Leaving Earth. Et nous t'es déjà dit qu'on s'accueille pour prendre place sous dans Révélation chapitre 2. Et n'a étudié sept lettres pour me faire une petite révision pour moun qui pas songé et qui a écouté nous dans minute ça. Nous dit comme ça que chaque lettre yo il y a sept lettres qui écrit à sept églises et le n'a regardé comment lettre yo structuré. Chaque lettre gain adressé à une congrégation particulière. Gen yon introduction, Jésus introduit tête li dans chaque lettre et li fait yon li bay comme si yon sondage de condition l'église que la pekri avait là. Après le fin parler de condition dans qui condition l'église en est, li bay san ka di comme ça que yon un commandement pour l'église là. Le fin by commandement tout li bay comme si m'ka di un verdict. Li prononcer en parole sou li. Après ça li bay en exhortation et puis nan fin lettre lan li bay en promesse de récompense. OK, donc chaque lettre yo écrit avec cette église et c'est Jésus-Christ qui a parlé avec l'église yo. Non, nous t'ai déjà ouais lettre Éphèse là. Nous t'ai déjà ouais lettre Smyrne, ça nous relie Smyrne en français. Là nous rivé dans chapitre dans verset 12 dans chapitre 2 a. Nous pral parler de l'église qui relait Pergame là. Comment ça chapitre 2 l'église de Pergame. On nous commence avec premier verset. Il dit écris ange l'église qui dans la ville Pergame là dit comme ça mais sa moun qui gain n'épée filée de bois voyez dit nous. Premièrement nous voyons que Jésus-Christ introduit tête li on épée filée en couteau filée de bois. Qui côté nous te voit passer ça déjà? Nous voyons passage ça dans Hébreux chapitre 4 verset 12 qui dit parole bon Dieu a gain la vie. Li gain pouvoir, li pifile passe couteau de bois. Li coupe jouk li joine côté nam ak l'esprit moun fè youn. Jouk côté vyann ak mwèl zo rencontre kontre. Li jige tout sentiment ak tout l'idée ki nan kè moun. C'est sa parole bon Dieu yé. Li son épée à double tranchant ou bien créole couteau qui file de bois. Même côté que la percé ou là pour le discipliner, c'est même gens tout la retirer pour le guérir. Nous on ça aussi dans Révélation chapitre 1 verset 18 côté que Jésus-Christ présentait tête li comme la parole. Donc le nous épée là n'a parlé de parole. So Jésus pour juger l'église li avec quoi? Avec la parole. Bamba nous yon ti explication parce que nous dit comme ça que chaque l'église ça chaque ville c'était l'église qui était existé à l'époque que Jean t'a écrit Apocalypse. So nan ville Pergame non. C'est une ville que nous t'a dit comme ça que à l'époque ces villes ça c'était comme capitale de politique éducation ça veut dire que et c'est pas même époque ça ville en Pergame t'es capitale éducation c'est côté qui gagne gros librairie côté gros savé habité son non seulement son centre éducatif mais aussi lycée yon centre
de politique en même temps tout. Et dans ville Pergame, c'est une ville qui était extrêmement religieux. Bah dit chrétien non, extrêmement religieux parce que dans ville ça, tu as plusieurs temples qui consacrés avec des dieux grecs et des dieux romains. Parmi lesquels nous gagne Athènes, nous gagne Zeus. Là n'a pas de Zeus si songer en mythologie grecque, nous quoi gon et gon movie de qu'on garder longtemps Haïti le choc des titans. Donc il te gen temple qui te bâti plusieurs temples qui te bâti pour Dieu ça yo. Ça veut dire que moun yo te vraiment religieux. Non seulement il te gen temple qui te bâti pour Dieu ça yo, mais il te gen temple tout qui te bâti pour des empereurs romains. So gen moun qui te kon al nan temple côté César, yé César Auguste Auguste dans province d'Asie, il était gon temple était bâti là que moun yo allait pour y adorer. Donc non seulement politique, ça veut dire que c'était cité que moun t'a adoré plusieurs bagay. Non seulement gen l'église chrétienne qui l'a tout, mais yo a adoré et gen Dieu qui représenté par serpent, y a adoré tout bagay sa yo. Te gen l'école médecine nan ville de Pergame. Parce que là te gon temple pour un dieu romain qui te kon a fait miracle. Kap guéri moun. Si nan son signe yon serpent bon couleuvre, sou gade signe médecine jusqu'à présent, ou après que son serpent qui autour li ça sorti depuis Pergame. Donc là Jésus-Christ a parlé avec l'église là, li présenté tête li comme un couteau de bord. Révélation chapitre 1er. Côté li dit comme ça que dans bouche li a sorti un épée qui filait de bord, two edged sword that we say in English. Donc description ça nous dit ça que c'est la parole de Dieu. So Jésus qui a parlé à l'église. Dans qui condition le théoël? On allait dans chapitre 13, dans verset 13. Dans verset 13, il dit moi connais qu'autorité a c'est la Satan chita. Ou pas la game. Ou pas perdre confiance. Ou pas gen nan mwen, ou pas perdre confiance ou gen nan mwen. Même là, yo te fait touyer Antipas qui mouri peut-être moins là nan mitan nous, dans la ville côté Satan rete a. Bam li pou en français, verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lived. So, nous voyons que Jésus-Christ relé cité ça, cité Pergame, c'est là Satan était même. Et là, il a parlé de Antipas. Antipas c'est un martyr, c'est un monde qui t'est que t'est mouri qui t'est mouri pour la foi qu'il t'a gain en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit comme ça que moi connais travail ou. Moi connais kotoyé a. Ou nan trône Satan. Ça veut dire que gon pouvoir satanique nan zone kotoyé a. Et il y a plusieurs opinions à travers passage ça.
Parce que il y a des gens qui disent que parce que Pergame c'était ancien cité babylonien. Gen pile sacrifice qui fait, c'est là que et Dieu romain juste, c'est là que lui habitait. Mais dans l'autre partie verset a, il dit comme ça que malgré ou rete là, mais ou pas renier la foi qu'on gen dans moi. You hold fast to my name, you did not deny my faith. Même le côté à vivre en difficile, mes chrétiens dans la ville Pergame, yo t'ai été fidèle dans la foi yo. Donc li fait un compliment pour ça. Et nous même chrétiens, comment nous ka prend ça? Quel que soit problème, nous ka appliquer ça. Quel que soit problème nous gen dans la vie nous. Même là que li di dans Psalm 91 10000 droite à gauche fléau a passé n'importe côté, faut qu'on rete ferme dans la foi. Faut qu'on rete ferme dans la foi. Antipas rete tellement ferme jusqu'à ce qu'il perdu la ville. Et c'est un gros héros dans la Bible. Donc nous est que yo kembe la foi yo, kou nyen pral wè ki reproche Jésus-Christ gen kont yo. On ale nan verset 14. Verset 14. Li di men mwen reproche mwen gen pou m fè ou. Ou gen kèk moun la kayou k'ap suiv konsey Balaram te bay lè li te montre Balak ça pour te faire pour faire petit Israël tomber dans péché pour te faire yo manger viande bête yo te offri pour touyer bas idole pour te faire yo laguer corps yo dans immoralité. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livressent à l'impudicité. Nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. En détail, verset ça. Qui ça li gen contre chrétien yo? Dans la ville de Pergame. Oui, yo kenbe ferme. Mais gen doctrine Balaam que yo tap enseigné. Là nous dit Balaam c'est dans l'Ancien Testament ou ka li histoire de Balaam dans Nombre chapitre 22 jusqu'à 24 et puis 31. Côté que li te cause Balak c'était roi Moab. Pour te faire Israël entrer dans impudicité pour manger qui sacrifié aux idoles. Li parlait de immoralité sexuelle. Donc si l'église là, malgré l'église qui kembe dans la foi, mais li dit gen nan parmi moun yo. Gen moun ki toujours kembe même ti habitude ça. Ça veut dire que yo gon tendance pou yo aller nan idolâtrie ou entrer nan idolâtrie ou entrer nan immoralité. Parce que bon Dieu dit pas supposé gen l'autre bon Dieu contre lui-même. Et immoralité sexuelle dans ville ça, c'était bagay qui t'a mené à l'époque, même gens que n'a gardé dans l'époque côté que nous yéan. Gen pile immoralité sexuelle.
c'est pas seulement malgré que y a vive y a gen la parole y a vive mais en même temps tout gen nan yo même l'église m'a konn sou comprendre non et ou même personnellement oui ou gen la foi mais est-ce qu'on bagay wa fait à pas ou a fait en cachette là nous t'ai gardé dans l'autre l'église yo t'ai gon l'autre doctrine Nicolatin que nous t'ai parlé de lui dans une dans l'église yo que t'ai gagné donc qu'on y a parlé de doctrine de sacrifice. Le nous gade chrétien dans l'église Pergamon, yo presque même j'avais chrétien qui dans l'église Corinth yo ou ka li histoire chrétien de l'église Corinth dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 9. Yo était trop tolérant. Yo accepté mauf et fausse doctrine. Y a vive dans immoralité. Jésus renoncé yo. Yo pa ka craser net, Satan pa ka craser yo, mais groupe li te ka rentrer là-dedans, li fait dommage quand même. Ça fait pa ka craser yo parce que yo te kembe la foi, majorité nan yo te kembe la foi. Et pa oublier que yo t'a vive non situation qui très très difficile. On aller dans verset 15. Li dit kon sa tout ou gen kek moun la kayou kap suiv konsey Nikolaïte yo Noël deux fois verset 16 li di toune vin jwenn bon Dieu non si ou pa fè sa talè kon sa m'ap vini m'ap goumè ak moun sa yo ak ne pe kap soti nan bouch mwen repens-toi donc sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Repent, therefore, otherwise, I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. Qui sa bon Dieu pral utiliser, c'est la parole. Elle dit épée qui saute dans bouche, c'est parole bon Dieu. Attendez bien oui, parole bon Dieu, c'est pas une épée. C'est pas un épée et comment on dit ça? C'est pas un épée tangible. Mais c'est la parole de Dieu parce que nous sautons ça dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Ça c'est avertissement que li bayo. C'est pour moun qui gen oreilles pour yo tendre ça l'esprit bon Dieu a dit à l'église yo. Mais récompensant tout moun ki va goumen jouk yo gen batay la m'a bayo lanme ki kache a m'a bayo chak yon ti wash blan ak yon lot non ekri sou li yon non peson pa konnen eksepte moun ki resevwa la verset 17 je m'excuse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est l'Esprit qui le reçoit. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. On ne l'agit pas ça. Premièrement, il dit, repenti.
dans sept églises, il y a cinq l'église que Jésus-Christ commande pour repentir. C'est un commande que lié et commande ça appliqué à chrétien. Repenti ça chrétien l'a parlé oui parce que pas oublier que lettre écrit à qui à l'église et nous même chrétien des fois toujours maintenant tête nous homme chrétien déjà repenti non l'idiot repenti sinon l'a vini avec épée l'a jugé ou dans exhortation hein? Dans verset 17 là, il dit moun ki gen oreille, tendez. Dans promesse de récompense là, il dit pour moun ki rete ferme, pour moun ki rete victorieux. Pour moun ki rete attaché à la parole de Dieu. Pour moun ki pa mette tête yo toi à l'aise, kap tande mauvaise doctrine, fausse doctrine, mauvais enseignement. Il dit moun sa yo la ba yo la man secret. Ça veut dire qu'elle a fait provision. Elle a parlé de la manne, elle a parlé de provision. Le pain du ciel. Dans Jean 6, verset 41, Jésus dit comme ça que « I am the bread of life. » Le pain de la vie. Il dit là-bas, « Yon ti wash blanc. » Dans ancien temps ça, des fois, elle a invité ton nom banquet. Non bagay spécial yo boy un tiro blanc un tiroche blanc un ti caillou blanc représentait son signe d'amitié que lié et en même temps tout yo kon utilise tout lò à l'encôte lò devant juge et puis ou présenter ka devant juge là et puis yo joine nous pas coupable pour yo voyo aller yo kon bon tiroche blanc. Donc, là, il dit comme ça que la baillon tiroche blanc, ça veut dire que son signe d'assurance que li baou. Il dit comme ça que sous wash là, la bon nom que personne, qui ça veut dire? Nous, on l'autre nom, on nom secret, yon promesse pour moun qui rete victorieux jusqu'à la fin. Est-ce que c'est le nom de Dieu? Est-ce que c'est non croyant? Pas connaît. Il dit personne pas connaît. Pas connaît qui non. Mais puisque là nous dans Christ nous avons nous identité. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être c'est non ça. Peut-être sous nom, sous Washington, il doit ses destinations. Réservation. Pas oublier que, comme je dis, son bagage qu'on utilisait dans le temps ancien, sous temps Jésus-Christ. Même avant ça, les a invité au nom banquet spécial. Comment inviter spécial le bon petit roche blanc? Ça, c'est l'église de Pergame. On nous aller dans verset 18. Nous pour entrer dans l'église Tiati. Église de Tiatira. Church of Tiatira. Verset 18. Écris ange l'église qui dans la ville Tiatira, dit le comme ça. Mais sa petite bon Dieu voyez Dieu li même qui gen gel li même qui gen gel yo tant kou te flamme di fe ak pye li yo clairé tant kou cuivre poli moi connais tout ça wa fè moi connais gens ou gen remè nan cœur gens ou gen confiance. Jean ou fait service ou bien, ak Jean ou gen en pile patience.
Moi connais tout ou travail coulé a pi plus passé avant. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premiers. To the angels of the church of Thyatira, write, these are the words of the sons of God, the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Anou fonti gade Thyati la ki sak tap pase nan la vil. Thyati a l'époque que Jean t'a écrit ça. Thyati c'est en ville en centre commercial. Côté yo fait business, côté yo fait trade, ça veut dire que ou entré ou gon bagay ou bali ou bon on lot. Mais chaque moun nan vil lan gen comme ka di sa an bokol saint patronal yo pa vrai frawol ko nou et en Haïti gen chaque gen vil gen saint patronal yo donc nan vil Thyati c'était même bagay la ki t'a passé à l'époque. Jésus-Christ li décrit tèt li à l'église là. Il dit comme ça que le Fils de Dieu, moun ki gen zye tan kou flam di fe a, et tan kou piel, tan kou bronz. Ki sa zye tan kou flam di fe an vle di? Nou te wè sa sou te sonje nan lan de fèk komanse nan révélation, chapitre 1er, verset 14. Zye tan kou du fe vle di kwa? Jugement. Piel, tan kou bras, bronze. Décrit tèt li nan révélation chapitre 1 verset 15. Bras sa vle di ke pureté. Se yon bagay ki fin raffiné nan du feu, li vin pur. Pierre, sa vle di ke non seulement li signifie pureté, li signifie strong, fort, puissant. Et brass à l'époque, c'était une métal qui était pi fort, pi puissant dans mode ancien. Nous ka comparer le kounye avec platinum. Et il dit comme ça que pile tant kou on brass raffiné. On bagay ki fort que ou pa ka secouer n'importe façon qu'on voulait. Et puis il dit comme ça que moi konnen travay nou. Dans toute cité que yo parlé de yo a Thyati c'était une qui pas tellement grand même j'avec l'autre yo c'est ton petite ville il pas ton capitale mais l'église en était là chrétien était là et Jésus-Christ connaît qui était là il dit moi qu'on travaille nous moi connais nous gain amour connais que nous conservons, moi connais que nous gain la foi, nous gain patience. En plusieurs façons, l'église Thyatira c'est comme si on l'église son modèle était pour l'autre l'église yo. Parce que yo te gain quatre qualités qui vraiment essentielles dans la vie en chrétien. Yo gain amour, yo gain service, yo gain la foi, yo gain patience. Non seulement ça, yo travail, mais y a travail de plus en plus, il dit travail grandit toujours. C'est y a grandi dans amour, y a grandi dans service, y a grandi dans la foi, y a grandi dans patience. Mais Jésus gon mot en nous ça le dit avec yo. En aller dans verset 20 à 21.
Ça c'est ça que mes côtés le pral reprocher. Il dit mais reproche moi gien pour. Mais reproche moi gien pour me faire. Ou a tolérer femme yore les Jézabel là qui prend pose prophète bon Dieu li. L'a détourné serviteur yo, l'a montré yo pour yo laguer koyo dans immoralité pour yo manger viande bête yo te offri pour touyer bas idole. Moi pas bal compte moins bal content pour le virer qui te péché lio mais li pas vle qui te immoralité a. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Nonetheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misled my servant into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. Mais au proche là. Malgré que tout soit fait qui bien yo, ou gen amon la kayo, ou gen service, ou kon servi moun, ou gen la foi, ou gen patience. Li di mwen sa kontou. Parce qu'on kite fi yore le Jezabel la. Ça veut dire que ça c'est centre de correction dans l'église Tiati. Son fille que Jésus rele Jézabel. Peut-être c'est pas non littéral ça. But son titre que yo bay avec esprit de rébellion. Avait dire que son moun qui monte tête li rebelle li fait rebelle contre la parole de Dieu en dans l'église hein. L'a utilisé même tactique que Jézabel t'a utilisé dans l'Ancien Testament, on ka li histoire ça dans 1 Roi 16, chapitre 16 jusqu'à 21 et puis dans 2 Roi chapitre 9 verset 30 à 37 pour li histoire Jézabel. Peut-être c'est pas non ça. Mais li t'a animé par même esprit de rébellion qui a monté tête li que li c'est prophète. Et puis qu'a bay peuple bon Dieu a menti. Là nous utiliser non Jézabel là, li gon association qui puissant, ça fait son esprit de rébellion que lié. Si nous relon moun Juda, ça veut dire que comme on dit moun nan son moun k'ap trahi moun ou son Juda. Son nom qui marchait avec yon connotation négative. Parce que le nous gardons dans l'Ancien Testament, Jézabel c'est moun qui était plus cruel. C'est une caractère qui était plus cruel dans l'Ancien Testament. Parce que qui ça a été fait? L'ital essayé pour le prendre adoration. Jean Israélite qui était adoré, pour le prendre même type d'adoration ça, pour lui offrir avec idole que il était servi qui c'est Baal. Donc, dans quelques écritures grecques, depuis y aurait un monde, Jézabel, ou bien y aurait le madame, Jézabel, c'est parce que son monde qui méchant, son monde qui cruel, son monde qui rebelle. Et nous, kawe, rébellion, parce que Jésus-Christ dit comme ça que m'a le temps pour le repentir, mais il pas vle. Vous connaissez pile monde qui attribue Jézabel, yo dou soumete fa rouge ou c'est Jézabel, ça c'est pas comme ça.
C'est un esprit de rébellion qui entre dans l'église pour retirer les yeux chrétiens, pour faire tomber dans l'immoralité avec des fausses doctrines, des faux enseignements. Et esprit, ça, c'est pas sous fille seulement lié, lié à sous garçon, tout en est bien, ça m'a dit. Surtout dans le moment ça, il y a un pile monde faux prophètes qui sont sur tous les réseaux sociaux, qui sont dans l'église qui a prêché sous chair. Et ça fait bien aimer, li important pour qu'on ait place, li important pour qu'on ait parole, bon Dieu. Parce que moun sa yo, y a ralo pour yo fort tomber. Li dit li proclame tête li comme yon prophétesse. Et li paraît que chrétien dans la ville Tiati, yo recevoir comme un prophétesse. Et ça fait Jésus-Christ bayo avertissement ça. Dans Matthieu 24 verset 11, m'a fait résumer pour vous, il dit comme ça que gen pile prophète qui pral camper, qui pral déçu, qui pral bon menti. Y a paraît, y a parlé dans nom. Et grand pile moun noue qui commence à faire ça. Et dans tribulation, puisque n'a étudié Révélation, Apocalypse, l'un fin fait l'être, nous pral entrer pour nous commencer à entrer dans tribulation. Nous pral ouè côté faux prophète à camper. Pour y a déclaré. Li dit comme ça que qui ça, false prophète l'en fait, prophétesse l'en fait, Jézabel là. Enseignement le sorti pour le séduire. Servitel yo pour yo commettre immoralité sexuelle, pour yo manger qui sacrifie aux idoles, ou même dans l'église vous dites comme ça que OK moi même pas manger qui sacrifie aux idoles, ou on doit dire moi même pas même manger viande, mais son un péché spécifique parce que prophétesse là esprit ça li immoral, li pas sorti de Dieu et li influencer l'autre monde. Même Jean que Jézabel dans Ancien Testament te mené peuple Israël à l'immoralité et à l'idolâtrie. Immoralité sexuelle, manger ça qui sacrifié aux idoles. Peut-être prophétesse ça t'est invité chrétien la kali chaque mois. Et puis parce que pas oublier que toute zone ça t'est chargé temple. T'es gain saint patronal m'a dit ça pour n'ka habiter dans contexte kounye pour n'ka comprendre ni. Peut-être il t'est doit vraiment à utiliser des mots des paroles prophétiques. Parce que, pas oublier que son ville, que moun yo te kon vini pou yap trade. Par contre, vraiment dit trade en créole là. Pou yap trade, pou yap pran, comme si m'vina avec, comme si m'soti en dehors, m'bote banan, m'bote en régime banan, et puis koun yon m'entre la ville Port-au-Prince, m'bote régime banan nan pou bom yon bal toal. Troke. Bon, merci, frère. Donc, c'est ça yo te kon fait nan ville ça. Et en pile moun parce que avant pour y aller troquer ça au potea c'est pour y aller dans temple qui consacré aux idoles yo pour y aller faire offrande yo pour ka joindre ça que au besoin. Jésus-Christ dit serviteur yo, c'est pas seulement garçon, m'a vle pour nous mal interpréter là, n'a parlé de serviteur surtout en français. Servante ou serviteur, li toujours le masculin remporte sur le féminin. Ça veut dire que c'est pas seul garçon yo li tape instruit dans immoralité sexuelle, mesdames yo tout. Dans Marc chapitre 9 verset 42. Jésus te ba un avertissement, li dit moun ki cause sa pi feb yo. Moun ki kwen nan mwen yo. Et puis qui faible qui tombe. Hm.
gros avertissement là, oui. Bam l'verset à pour nous. Pour nous, qui est-ce que Jésus qui a préféré à servante? On allait dans Marc chapitre 9. Prends bibou. Marc 9. Et puis nous allons dans verset 42. On allait jusqu'en bas net dans verset 42. Il dit mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta sur la mer. Maman allait pour me lire pour en créole. Marc chapitre 9, verset 42. Quand à moun qui fait youn nan ti moun sa yo ki kwen nan mwen tombe nan péché, li tapi bon pou li si yo te mare yon gros wol moulin nan koul voye l jete nan la mer. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. Ça veut dire que Jézabel vini pour faire petite bon Dieu tomber. L'elle dit timoun yo. Il peut parler de timoun piti. De ces petits qui croient. Ça veut dire que son moun qui fait quoi, qui poko planter vraiment dans la parole. Nous te li sommes premiers. Il dit comme ça qu'il est comme un arbre planté dans un courant d'eau. Moun sa ou poko planté dans la parole. Yo se ti moun nan Christ, yo se bébé en Christ. Et ou même qui connaît la parole mais ou gon esprit de rébellion sou, gon esprit de Jézabel sou, ou ap bay faux enseignement pour faire tomber. Mais avertissement pa ou. Li tapi bon si yo ta mare yon gros wol moulin nan koul et puis voye jete nan la mer. Yon wol moulin so bagay ki lou. Ça veut dire que si yo mare nan koul yo jete nan la mer, c'est kokou bar on bloc nan koul. Voye yo nan la mer pou ka fè fond, pa ka remonter encore. Amen frère Aol. Ou pa ka remonter encore. Ça c'est avertissement. Et c'est ça que Jézabel t'a fait nan ville. Tiati, fausse prophète là. Et travail Jézabel, nous pas dit, peut-être prophète c'est pas très les Jézabel, il dit that woman, c'est même esprit ça. Même esprit ça. Ça veut dire que son esprit qui entrait, qui fond. Et on nous aller dans, on continue. Côté le parle décrit plus. Dans verset 24 là. Parce que Jésus-Christ dit le bal temps pour repentir, mais il pas voulait quitter immoralité. Ouais rébellion. Il dit c'est peut-être ça. Pour pral la gueule, jeter le sur un cabane côté il pral souffrir en pile. Tout monde qui a fait adultère avec lui pral souffrir en pile tout. Si yo pas changé, si yo pas quitter mauvais acte y a les défaits ensemble avec yo. Après ça, m'a fait toute petite li yo mouri. Comme ça toute l'église yo va connaître moi c'est moun qui connaît toute l'idée les hommes a fait dans tête yo à tout sentiment yo gen dans cœur yo. M'a ba chaque moun ça yo mérité d'après ça yo fait. Verset 24. Pour nous-mêmes, l'autre membre l'église dans la ville Tiatio, pas suivre mauvais conseil ça yo. Qui pas ta prendre sa bonne moun sa yo après les gros secrets Satan. Mais ça m'a dit nous. On pas ban nou l'autre chai passer ça. Verset 24. À vous
à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui sont pas connus, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Ça veut dire que moun ki rete fidèle yo, moun ki pa tombe nan bagay mystérieux, parce que grand pile faux prophète depuis a parler yo dit ça que ça son mystère, yo prend la parole bon Dieu, yo dit parole bon Dieu et c'est un bagay comme si mystique. M connais pasteur paix prédicateur qui prêcher qui dit que parole bon Dieu mystique. Et pas parce qu'on utilise un verset que mon micro n'amène pour parler pour attendre. Est-ce que ça le dit ou prend et pour analyser avec sa parole, mon Dieu dit. Oui, il y a Jezabel temps pour le repentir. Mais elle pas veut repentir. Il dit comme ça que moun qui d'accord pour suivre lui. Moun qui entre dans adultère ensemble avec elle. La vete ou son cabane. Sick bed, we say that in English, sick bed. Moun ki commet adultère ensemble avec you. Adultère là, li important. La parle sexuel, adultère sexuel et puis spirituel. Tenez bien, oui? Deux sortes d'adultère que moun sa ou commet. Spirituel, sexuel. Sexuel là, facile à comprendre. Spirituel là, nous connaissons une série de chrétiens. Yo dit comme ça qu'il a pas adoré bon Dieu. Yo l'église a chanté et puis quand si bagay arrivé yo. Nous même haïtiens parce que nous très superstitieux. Nous gen ti a fait pas nous n'a servi. Gen ti mouchoir nous gen ti bouteille nous comment rason, en son? Ba konn comment dit ça non, rason? Rason. Ici aux États-Unis, moun n'a pas qu'à déplacer, l'a voyer la Haïti pour y aller pour lui. Lors du secret c'est entrer dans bagage ça yo, ou à commettre adultère spirituel. Là ou à honorer l'autre et loi, ou à servir loi pendant du secret. Ça veut dire que ou pas fidèle à bon Dieu, ou dans infidélité et infidélité veut dire adultère spirituel ou malade et ça fait de la mettre son cabane sick bed. Yon cabane qui pas clean. Ça veut dire que la mettre affliction sous ou, maladie sous ou. Il dit sous pas repenti dans ça qu'on faire. C'est ça que m'bral fò. Non seulement ça tout, m'a tué. Parce que li ki ça le dit, li c'est bon Dieu qui sont des cœurs qui compte sentiment, pas oublier que li c'est la parole. Li sont couteau de bord. Li discerner pensée. Li discerner cœur. Li dira que mon connaît toute pensée. M'a tué petit tout yo. I'll kill your children. Mais li pa parler seulement de la mort physique parce que tout moun mouri. Mais la parler de la mort spirituelle. Li dit ken be ferme. Ken be ferme. Ken be ferme jusqu'à ce que nous retourner. Verset 26 à 28, côté que pour moun ki ken be ferme yo, mais qui sal pral ba yo. Mais ken be sa nou gen yon bien, bien ferme, jou ma tourne. Tout moun ki va goumen, jou ke gen yon batay la,
et puis qui va toujours à faire ça me veut faire jusqu'à sa kaba m'a bayo pouvoir sous toute nation même Jean papa te bon pouvoir ça tout y a gouverné nation yo a qui on bâton fait y a crasé yo nan mi nan miyet morceau tant kou yon canari yo crasé à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres je donnerai autorité sur les nations il les pétra avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'ai eu reçu le pouvoir de mon père et je lui donnerai l'étoile du matin que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises dans plusieurs études gain plusieurs théologiens et pas oublier que l'un de commencé nous t'a parlé de chaque église non seulement cette église on doit représenter et yon espace yon temps de la vie de l'église universelle li gen doit représenter la vie chrétien mais li gen doit représenter tout yon domination gen kek théologien qui fait en similarité avec l'église tiati avec l'église catholique OK. Ça dit bien ça m'a dit là. Ça fait yo dit ça parce que l'église catholique sont l'église qui t'est commencé bien. C'est en l'église nous qui gain un pile service. Parce que sous garde à travers le monde entier, c'est eux même qui t'est commencé à faire l'école, enseigner, yo servi. Mais en dedans dénomination. En dans dénomination, il y a ça que nous rete côté que au fil des temps, yo commencé à ajouter plus. Ça veut dire que mon false doctrine, doctrine saint, malgré grand pile catholique qui dit que ça pas adorer saint, mais grand pile dans tout qui adorer saint, qui croit dans saint. Yo prend Marie puis yo mettel presque même la hauteur avec Jésus-Christ. Et ça fait dit grand pile, y a mouri. Ça veut dire que y a mouri en deuxième mort. Mais en même temps tout, li dit pour ça qui était vaincu yo, la bayo yon récompense. So, c'est ça théologien au fil du temps yo associé l'église de Tiati avec l'église catholique et me choisi pendant étude ça pour me pas entrer dans différents types d'église et types de dénomination me choisi pour nous rester pendant étude ça pour nous ou même en tant que chrétien côtoyer pour prendre pour mettre sous personnellement parce que c'est pas dénomination qui a sauvé, c'est pas religion qui a sauvé, c'est relation avec Jésus-Christ qui a sauvé. C'est là fait ça qui n'a volonté, c'est là que fait ça ou prend parole là ou attaché là la vie, c'est ça qui a sauvé. So à travers avertissement ça yo, à travers repos ça yo, de seulement Jésus-Christ dit ça que moi connais qui sont fait, je connais tes œuvres, li dou ki œuvre ou, li bo sa ki bon la kayou. Mais li gen reproche pou ou. Ça veut dire que en tant que chrétien, c'est pour nous lever pour nous porter quoi nous chaque jour. Pas jamais pense au fin rivé dans l'évangile. Et pas c'est pas nombre de temps qu'on gagne dans l'évangile, c'est pas connaissance ou qu'on gagne dans l'évangile.
Mais c'est relation qu'on gagne avec Jésus-Christ. C'est relation. Et ça que fait dit, il y a un pile monde qui va dire Seigneur, Seigneur dernier jour qui pas périr au ciel là. Oui, ou travail, oui, ou chasser des démons, oui, leur prêcher monde tendez ou gagne charisme, monde attendo. Gen moun k'ap sauvé parce que c'est parole bon Dieu a utilisé. Parole bon Dieu n'est wash ta k'ap prêcher parole là. Satan k'ap prêcher parole bon Dieu et gen pile Satan gen pile à chance du diable k'ap prêcher parole bon Dieu. Mais si gen élu et lui a tendé, il a recevoir. C'est pas message et pas messager. C'est message là. Ça veut dire que ou même ou gen doit messager et puis ou bon message même quoi la donne. Il dit qu'il y a une récompense. Il y a une récompense pour moun qui rete ferme. Moun qui rete ferme jusqu'à la fin, la ba yo pouvoir, la ba yo autorité. Repenti. Fait grâce. Jésus-Christ dit comme ça que m'a le temps pour le repentir, mais le pas repentir. Ça veut dire que lui rejeter travaille le Saint-Esprit dans cœur. C'est seul péché qui pas pardonné. Le rejeter le Saint-Esprit. Ça veut dire que ou rejeter propre bagaille qui ca sauvé là. Gen pile moun bon Dieu a ba nou temps pour nous repentir. Nous pas vle repentir. Ça fait nous dit l'ob blasphémer. C'est ça veut dire blasphème. Ou blasphémer ou rejeter propre bagay ki ka sauvo la. Puisque prophétesse la, faux prophète yo, faux enseignant yo ka ba menti yo. Malgré a parler mais yo rejeté ou pas vle repenti. Pas quitter ou entrer dans ça. Pour moun ki kembe ferme jusqu'à la fin yo. Pour moun ki kembe ferme jusqu'à la fin, moun ki pas découragé yo, moun ki pas quitter tête yo entrer dans immoralité sexuelle, dans immoralité spirituelle, ki pas entrer dans idolâtrie. Ou déjà plus que vainqueur. Li dou la bon pouvoir sou nation yo. Ou ap dirije. He should rule with them with a rod of iron. Nou e sa nan Somme chapitre 2. Je li Somme premier, mais a li Somme 2. Kote ke li parle de autorité. Somme de son somme prophétique que lié. Il a parlé de autorité du Messie qui pral gouverner le monde, qui pral gouverner tes ça. Ou pral régner. Régner littéralement pour régner tout ou littéralement, le dit pour un berger. C'est pas seulement jugement, mais ils sont bergers. La balle l'étoile du matin. Jésus-Christ référait à une révélation, chapitre 22, verset 16, The Morning Star. Moun ki gen oreille, tendez. Li appliqué à tout moun. Li appliqué avec chrétien kap aji tant que Jezabel yo parce que grand pile chrétien soi-disant chrétien kap fait moun tomber dans péché non seulement la pa appliqué pour moun qui gen esprit ça sou yo kap fait moun tomber dans péché li appliqué à moun kap suivre enseignement ça yo et puis kap tomber dans péché et passa ça tout li appliqué li applicable avec moun qui pourrait être ferme. Nous avons un jugement, gain récompense. Jésus parlait de ça nous fait qui bon,
mais en même temps tout li gen reproche pour nous. Nous finissons avec chapitre 2. Oh, praise God. Nous finissons avec chapitre 2. Nous parlons pour une petite pause musicale. Nous retournons pour nous voir si nous sommes entrés dans chapitre 3 pour nous continuer avec l'étude. Gardez l'écoute depuis Studio 3. Nous mettons c'est Servante Oscarina qui est ensemble avec vous. Gardez l'écoute. Nous parlons pour une petite pause musicale. Nous retournons tout de suite. Radio bon Parole de Vérité. Depuis l'état de Massachusetts, Radio Parole de Vérité est à votre portée. Évangélisation, éducation, une radio, Parole de Vérité, c'est la radio. Tout ça qui est écrit dans le livre là, c'est dans l'esprit bon Dieu qui est sorti. Il a servi pour montrer mon vérité, là. Pour combattre mon qui dans les rêves. Pour corriger les gens qui ont fait faute, pour montrer qui gens pour vivre bien devant bon Dieu. Comme ça, les gens qui ont servi bon Dieu, ils tout pareil. Ils ont tout ça qu'ils ont besoin pour faire tout ça qui est bien. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. La BIBLE, instruction de base avant que nous quittions ça, sur les ondes de Radio Parole de Vérité, avec ministre de l'Évangile, Skaïna Mendron. C'est une émission qui fait instruction biblique. Nous discutons des choses sociales, spirituelles et éducatives. Donc, branchez chaque jeudi soir de 7h à 9h et chaque dimanche de 5h à 7h sur Radio Parole de Vérité. Je garantis ça, n'amour à béni.
Bienvenue encore sur les ondes de Radio Parole de Vérité. Et on va obtenir l'émission pour la BIBLE, instruction de base, avant que nous quittions ça. Nous, dans cinquième lettre là. Praise God, we're moving. Nous, dans cinquième lettre. So, nous prenons l'entrée dans lettre que Jésus-Christ a écrit à l'église de Sardis Church. Après ça, nous avons Philadelphia et puis nous avons l'église Laodicée. So, nous avons fait cinquième. Et puis, prochaine fois, si bon Dieu bah, nous fait nous grâce, nous allons entrer dans deux dernières églises. Avant que nous entrions dans ça, l'église de Sade, et nous allons lire deux premiers versets et puis pour bon et histoire de ville la même genre que nous fait avec toute l'autre quatre que nous sommes étudier. Chapitre 3 verset 1er. Écris ange l'église qui dans la ville Sad là. Dis-le comme ça, mais ça moun qui gagne sept l'esprit bon Dieu yo ak sept étoiles yo voye di yo. Moi connais tout ça w ap fè. Moi connais tout moun comprendre ou vivant mais ou mouri. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. To the angel of